avant de s'embêtir. Il y a des jours comme ça où on est bien content d'être à la retraite. La porte. Attention, voyante, tu salis tout mon carrelage. Ah, c'est malin, voilà qui m'a pris froid maintenant. Quelle idée aussi de sortir à ton âge. Écoute, Romuald, tu ne prétends tout de même pas m'empêcher de regarder le temps qu'il fait le jour de Noël. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Un peu de patience, gourmand. Voici notre bulletin météo. Cette nuit, on peut s'attendre à des chutes de neige abondantes, un froid vif et de fortes rafales de vent. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu rêves? Mais réveille-toi enfin! Réveille-toi! Au père de l'altitude, tu dors ou quoi? L'altitude? Au bon sang, le traîneau! Allez plus fort, Romuald, Joe! Allez, mets-en droit! Allez plus fort! À la fête, ma parole! Dispute pas, bon sang, bêtise! Attention! C'est malin, s'endormir comme ça au volant. Oh, je m'étais juste un peu assoupi. Tu deviens gâteux, ma parole. Si tu tirais quand on te le dit aussi, vieux chameau. Ça, un chameau? Vous avez déjà vu un chameau avec des arpes sur la tête, vous? Des arbres sur la tête. Ça, c'est bien trouvé. Rigole, va. Et comment tu comptes t'y prendre pour redécoller de ce désert? Désert. Alors, quelle heure est-il? Bon sang! Petit, indique-moi la cabine téléphonique la plus proche. Pour téléphoner, c'est par là. À 2 jours de marche. Quoi? Écoute, petit, je n'ai pas le temps de plaisanter, moi. J'ai mes cadeaux à livrer en Europe, moi. Et à minuit, il faut que j'y sois. Des cadeaux. Eh oui, c'est Noël, mon petit. Et crois-moi, en 1000 ans, jamais je n'ai raté une seule distribution de cadeaux. Qu'est-ce que c'est, Noël? Noël, la fête, les cadeaux. Les chaussures dans la cheminée. C'est quoi, la cheminée? Là où on fait le feu, petit. Tout le monde sait ça. Pour se réchauffer quand il fait froid. Les enfants qui ont été bien sages toute l'année déposent leurs chaussures devant la cheminée. Et le Père Noël... C'est moi. ...descend dans la cheminée pour y déposer des jouets. Tu brûles les jouets des enfants dans le feu. T'es pas gentil? Mais tu n'y es pas du tout. On ne fait jamais de feu dans la cheminée le soir de Noël. En Europe, à Noël, il fait très chaud, c'est ça? Oh, pas du tout. Mais on ne fait pas de feu. C'est idiot. Écoute, petit, j'ai mieux à faire qu'à discuter avec un gamin ignorant. Alors, salut. Salut. Ils sont marrants, ces deux-là. Mais ils iront pas loin comme ça. À mon
âge, tout le monde est à la retraite depuis longtemps. Incroyable. S'endormir en conduisant. Tu ne vas pas me répéter ça toute la soirée, non? C'est malin, maintenant on est perdu. Quelle chaleur. Par là, il a dit. Tout le monde est à la retraite depuis longtemps. Ah, si j'avais été plus gentil avec ce gamin, on aurait pu lui demander de l'aide. Ça fait rien, on vous en veut pas. Alors comme ça, là-bas en Europe, il y a des enfants qui vous attendent. Certainement. Et ils seraient bien déçus si je ne venais pas. Jérôme, sinon maman a dit que le Père Noël ne viendrait pas. Tu parles, ça existe même pas les Pères Noël, c'est une invention. Menteur. Et les cadeaux alors, ils viennent tout seuls? Moi je l'ai jamais vu, j'y croirai quand je l'aurai vu. Laisse-moi tranquille. Justement, on n'a qu'à monter au grenier et regarder par la lucarne du toit. Tu verras bien si on le voit pas. Tu verras rien du tout, c'est une invention je te dis. Le Père Noël c'est pas scientifique. Bon, tant pis, si t'as peur d'aller dans le grenier la nuit. Je me doutais bien que j'avais un froussard comme frère. T'as une lampe de poche? Ouais, merci. Laisse-moi, merci. Arrête. Avec mon traîneau, je dois passer dans toutes les maisons pour livrer les cadeaux que les enfants m'ont commandés. Oh, il fait chaud chez vous. Et attention, il ne faut oublier personne. Et nous alors, pourquoi on n'a rien? Vous? Bien sûr, vous c'est différent. C'est différent, bien sûr. Parce que nous, nos parents, ils sont trop pauvres pour payer. Omar, arrête! Mais non, c'est pas ça du tout. Moi, comment dire... Moi, je m'occupe d'un coin d'Europe. Et vous, ici, vous êtes en dehors de mon secteur. Vous, je ne sais pas qui vous livre. Personne ne nous livre, nous. Ça suffit! Vous n'allez pas vous plaindre devant un invité. Nous, les enfants du désert, on est toujours en dehors du secteur pour tout. Heureusement, nous, on croit pas au Père Noël. Vous en faites pas, allez. Ici, des jouets, on en a pas besoin. Et puis, c'est pas parce que tu nous apportes jamais rien que nous allons laisser des enfants d'Europe pleurer un jour de fête. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? C'est vrai, vous voulez vraiment m'aider? Pourquoi? Ça t'étonne? Oui, enfin non. Vous êtes bien jeune. Eh ben voilà, il me faudrait deux choses. Un... Il faudrait pouvoir redécoller. Et comment redécoller avec un attelage dans cet état? Moi, ça va, je suis en forme, mais c'est le gamin. Ces genoux, ça tient pas le choc. Ça déclare forfait pour une migraine ou un coup de soleil. Et deux? Quoi, deux? Bah, t'as dit qu'il te fallait deux choses. Ah oui, deux. Il me faudrait des jouets. Des cadeaux pour remplacer ceux qu'on a perdus dans l'accident. Mais où trouver des jouets, ici, dans ce désert? Oh, mes pauvres enfants, vous voyez bien que c'est fichu. Oh, et il fait si chaud. Fichu, peut-être pas, mais pas facile. Mais attendez, il y a sûrement une solution. Qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit. Ah! Attendez. Oui? Non. Oh. Il a même un traîneau plein de jouets tirés par deux grands rennes tout blancs qui volent dans le ciel. Ils s'arrêtent sur les toits et rentrent par les cheminées. C'est pas logique, un traîneau ça vole pas, ça glisse. C'est pas scientifique. Mais il glisse dans le ciel, sur la voie lactée. Allez, viens. D'ici on le verra arriver. S'il arrive un jour.
Bon, il va réfléchir encore longtemps comme ça, parce que nous, on... Un, les jouets, pas de problème. On va les fabriquer. Ça, c'est réglé. Deux, je pense à quelqu'un qui pourrait tirer ton traîneau et remplacer tes chèvres. Chèvre ? Une chèvre, moi ! Venez tous ! Mais où allez-vous ? Hé ! Attendez ! Oh, oh, quelle chaleur, j'en peux plus, moi. Oh, je ne bouge plus d'ici. Une chèvre, moi. Il m'a traité de chèvre. Si tu t'étais pas endormi au volant, on n'en serait pas là. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez? Monsieur a trop chaud. Est-ce que je me plains, moi, quand on me traite de chèvre? Ton vêtement, ça va pas pour le désert. Tiens. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette robe? C'est un costume de bédouin. C'est frais, c'est léger. Allez, retire ce que tu portes. Retire tout et enfile ça, on te dit. Que je me déshabille? Moi? Ici? Devant tout le monde? Oh, mon âge! Y a personne. Fais pas ton intéressant. Allez, tu vas encore attraper du mal. Vas-y, on regarde pas. Tout de même. Oh, mon âge. Dis, je voulais te dire, je suis un renne, moi, pas une chèvre. Faudrait pas confondre. Pardonne-moi. Y a pas de mal, mais ne recommence pas. Hein. Ça vient, ouais. Ne vous retournez pas. Pas ton corps. Dis donc, ton copain, sous ses airs de vieux sage, c'est un vrai gamin. C'est pas mon copain, c'est le Père Noël. Je te dis que je l'ai vu à la télé. Il a une grande barbe blanche, un bonnet, un beau costume rouge avec de la fourrure blanche et des bottes de cuir. Et mon traîneau, tu crois que... C'est par là. Tout le monde s'y est mis. Tu vas voir. Oh, je n'en crois pas mes yeux. C'est bien, hein? Et maintenant, allons voir les jouets. Moi, j'ai commandé une poupée mannequin et une voiture de course. Et toi? Un synthétiseur. Ah oui! Moi, je trouve pas ça très logique de commander un cadeau à quelqu'un qui n'existe même pas. C'est pas scientifique. Une poupée en feuilles de palme, un panier en paille tressée, un gros lézard vert, un camion en fil de fer, une gourde en peau de chèvre, un collier de coquillage, un xylophone en os de dromadaire. Et ça, c'est un tapis volant. Tout le monde s'y est mis. Un habit de fête pour une poupée à marier, une série de fossiles authentiques, un scorpion séché, une rose des sables, un tambour en peau de mouton, une marionnette en fil de cuivre. Mais ça, qu'est-ce que c'est? C'est super! C'est livré avec une flûte. Vous voulez que j'offre ça? Fais-nous confiance! Ça plaira aux enfants. Aux enfants peut-être, mais sûrement pas aux parents. Oh, il fait froid. Tu vois quelque chose? Pas encore. Il a pas l'air pressé, ton Père Noël. T'en fais pas, il va venir. Il va venir, il va venir, il va venir, il va venir. Non, non et non. Pas question que je décolle avec ça. Mais de quoi j'aurais l'air, enfin? C'est vrai qu'avec sa bosse, il a plutôt un drôle de genre. Tu crois que t'arriveras pas à le faire envoler? Il est trop lourd pour ta magie? Non, c'est pas un problème. Je ferai décoller n'importe quoi, même un autobus. Mais c'est après, là-haut, dans le ciel. Est-ce que ce grand échalas va être capable de galoper toute la nuit dans la neige et le vent? Et 8 jours dans le désert, sans boire, vous croyez qu'elle en serait capable, cette chèvre? Retire ça immédiatement! Répète-le que je fais mauvais genre avec ma bosse. Ça suffit! Tu te crois distingué parce que t'as des arbres qui te poussent sur la tête? Allons, arrêtez!
Pendant que vous vous disputez, il y a des enfants qui attendent là-bas. Bon, pour le décollage, Momo, tu attends que le vieux te dise U. Alors, tu démarres du pied droit et tu mets les gaz à fond. Attention, tu dois passer au-dessus de la bosse là-bas. Si tu accroches, même avec un sabot, tout est fichu. T'en fais pas, les bosses, ça me connaît. Oublie pas que je suis un dromadaire. Un peu de sérieux, voyons. C'est pas le moment de plaisanter. Prêt pour le départ, Momo? Attends, qu'est-ce que tu comptes faire? Partir et vite, il me reste à peine 20 minutes. Mais pour eux, pour les remercier? Ben, merci les enfants. Et toi Romuald, prends bien soin de Jo. Il faut que vous soyez en pleine forme à mon retour. Allez, en route! Faut pas lui en vouloir, il est vieux et fatigué. Il travaille depuis 1000 ans. Il a déjà fait sa demande pour la retraite, mais avec un seul jour de travail par an, même en 1000 ans, il paraît qu'il n'a pas encore assez de points. Vas-y, Bobo. Garde le cap. Réponds-toi. Allez, Bobo. C'est bien. Et c'est bien, ce métier. On travaille une nuit par an, et le reste du temps, repos, peinard. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait de l'eau. Maudite pluie, bah, il ne manquait plus que ça, tiens. Allez, plus vite. Hein? C'est de la pluie? Voyez ça autrement. À droite, Bobo, on va contourner l'orage. Attention, la montagne. Monte, Bobo, monte. Allez, vas-y! Plus haut, encore plus haut! Ouais! Bravo! Et s'il ne venait pas? Réveille-toi, Bobo, Bobo, réveille-toi! Quelque chose ne va pas, Père Noël? Le traîneau! Bon sang! Père Noël! Père Noël! Momo! Attention! Vite, Momo! Vas-y! C'est presque le matin! Il ne viendra plus maintenant. Allez, viens, va. Alors c'est vrai qu'il n'existe pas, le Père Noël, qu'il n'est pas scientifique. Voyons, grosse bête, pleure pas. Il a peut-être eu un problème en route. Il a certainement été retardé. T'en fais pas, va. Il viendra sûrement l'année prochaine. Oh. Jérôme, le voilà, Jérôme, c'est lui. Qu'est-ce que tu racontes? C'est lui. Le voilà, regarde le traîneau, les rênes, le beau costume rouge à fourrure blanche. Oh. Et d'où il sort celui-là, avec son bric-à-brac? Le renne, il a pas de corne. Et une bosse sur le dos. Oh! Bon, voyons ici.
Agnès. Une poupée mannequin, une voiture de course. Ça fera l'affaire. Et Jérôme, un synthétiseur. Qu'est-ce que c'est? Ce xylophone. La dose de dromadaire ira... Mais ça va pas du tout, ça. Hein? Qu'est-ce que tu disais? Les Européens, ils sont pas différents des enfants de chez nous? Bon entraînement avant de reprendre le traîneau. Il est long à revenir, tu trouves pas? Est-ce que tu crois qu'il va revenir? Pourquoi il reviendrait pas? Égoïste comme il est, il va sûrement vous laisser là et garder Momo. Deux chefs contre un dromadaire, il fait une bonne affaire. Retire immédiatement ce que tu viens de dire. Regardez. Des maisons plus hautes que les dunes. Des cheminées grandes comme des arbres. Et la pluie, alors ça, la pluie, c'est quelque chose. Comme si le ciel devenait un lac. Mais alors, les enfants européens, ils sont pas du tout différents, ils sont exactement comme ceux d'ici. Alors, pas trop difficile le voyage? Non, non, ça a été. Et Momo? Ah, super! Il a été super! Alors, on t'a pas manqué? Non, non, pas du tout. Pourquoi? Et... tu as pensé à rapporter quelque chose pour remercier les enfants? Tu crois vraiment qu'on avait que ça à faire? Hein, Momo? Hein, Momo, qu'on avait autre chose à faire qu'à s'occuper des enfants qui ne croient pas au Père Noël? Bonjour! Le Père Noël nous a dit ce que vous avez fait pour nous. Alors on s'est réunis avec tous nos copains du quartier. Nous aussi, on a voulu apporter des cadeaux pour vous remercier de votre gentillesse. Si les enfants se mettent à fabriquer et à s'offrir eux-mêmes des jouets, il n'y aura bientôt plus besoin de Père Noël. On va enfin pouvoir prendre notre retraite. Quelle retraite? Tu peux prendre ta retraite si tu veux, toi. Mais moi, j'aime mon métier, figure-toi. Non, mais tu nous imagines, mon vieux Rommel. Passer Noël au coin du feu à ne rien faire. Et puis quoi encore? Le métier de Père Noël est le plus beau métier du monde.